du plan, je te jure. Mais vraiment, je le trouve trop mignon. Il faut absolument que je lui dise que je le trouve trop beau. Hein. C'est... Vous parlez beaucoup en ce moment ou pas? Bah non, mais j'ose pas lui parler. Enfin, je sais pas, mais je le trouve trop beau. Vraiment. Je devrais y aller. Ouais, je pense que je vais y aller. Ouais, je crois qu'on a dû avoir le même jury. C'est possible. J'ai pas pu me concentrer sur. T'étais en quelle salle? En 108. Et il a pris quoi comme sujet du coup pour tes questions? Comment concilier la vie privée et la vie professionnelle? Tu m'étonnes. Ouais. Hé, hey, il y a Mathéo. Ah, je te jure, vas-y, fonce. Ah ouais, bon, vas-y, j'y vais. Bon voilà quoi, donc c'était vraiment super drôle. Ouais. Tu peux venir s'il te plaît, faudrait que je te parle. Ouais vas-y, ok. Bah, j'arrive, ouais, vas-y. On va là-bas. Ouais. Bon vas-y, je t'écoute. Bon en fait, ça fait un petit moment que je voulais t'en parler, mais ouais. Je crois que j'ai des sentiments pour toi. Dis-nous, enfin, moi mon truc, enfin, je te le dis, je vais t'en parler, mais c'est moi c'est les garçons. Okay. T'arrives tout de suite. Okay. Bah, non, nous, non c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pas ça. J'espère vraiment, franchement, qu'ils vont sortir ensemble. Ouais, ce serait trop mignon. T'imagines? Mais ouais, ça serait trop bizarre, mais en même temps, c'est mignon. Bah, elle sera enfin heureuse, quoi. Ouais, elle le mérite. Oh, il est loup. Ah, il est loup. Alors, raconte. Oh. Bon, en gros, bah, j'ai parlé avec lui tout à l'heure. Ouais. Et je me suis pris le plus gros vent de toute ma vie. T'imagines même pas la honte. Mais c'est pas possible. Ah ouais? Explique. Bon, en gros, il m'a dit qu'il était gay. Mais tu savais, toi, moi, je suis choquée, là. Mais sérieux, il est gay? Mais le dis pas si fort, mais oui, il est gay, oui. Bon, là, je suis choquée. Bah, ouais, franchement. Moi aussi, bah, j'ai trop le seum, là, vraiment, je... Mais tu m'étonnes. Bah, après, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Bah, sais. Oui, enfin, mais... Même, moi, ça m'est jamais arrivé qu'on me dise qu'on me recale parce qu'il est gay. Enfin, bah, c'est pas, clair. Ça se voit pas, en plus. Bah, ouais. Ah oh bah alors là. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Enfin bon, bref. Bon, t'inquiète, ouais. Hein. Ça va le faire. Ouais, c'est pas grave. Hein. Théo, mène-toi, c'est l'heure du petit-déj, faut descendre maintenant. Putain, mais Lilou, pourquoi t'as fait ça? Regarde! Mais de regarde. Quoi tu parles? Tu vas me dire que c'est pas toi? Mais je suis pas. Arrête au de faire l'innocente! Arrête de faire l'innocente! Mais j'en sais rien, je te dis! Bah c'est qui alors? Mais je sais pas, lâche-moi! Vas-y, tu me dégoûtes. Oui, Juliette, t'es où là? Rejoins-moi dans le hall, faut que je te parle tout de suite. Dépêche-toi, Juliette, viens! J'arrive! Bon, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mathéo, pourquoi t'as fait ça? C'est rien de grave. Si, c'est grave. Mais non, c'est bon, c'était pour rire. Non, c'est pas pour rire, il est venu m'embrouiller dehors, c'est pas drôle. Non, mais Lilou, c'est bon, quoi. Mais je peux rien te dire, je peux plus rien te dire. Oh là là, écoute, t'as l'air énervé, je vais t'essayer de respirer, parce que t'es en train de me saouler, franchement. Donc c'est bon maintenant, ok? Oui, bah oui, va-t'en. Oui, oui, c'est ça. Oui. Non, parce que c'était dur, c'était dur. Il a tout supplié.
Je oui, du coup, match. Pff, non, mais horrible. Allemagne-Hongrie. Regarde. C'est l'autre PD. Ouais, c'est attends, lui. On va se marrer. Bien, allez, allez. Ouais, on va faire un petit truc. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, petit PD, bah, vas-y, allez, avance. Allez, allez. Je vais vous voir, les gars, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Casse-toi. C'est bon, c'est bon. C'était pour rire. C'est une blague. Reviens. Disponible samedi. Ah oui, ok. Oui, ok, je vois. On fait ça quand alors? Oui, bon, je te rappelle plus tard. Ils sont sérieux là? Ils commencent vraiment à être loups. Ça va beaucoup trop loin, c'est plus possible. Oui, bah... Comment on fait ça déjà? Dégage, connard! C'est quoi? On fait gaffe, il va être contaminé! Bon, allez-y, Jean-Jean, t'inquiète, pas de soucis. Bah alors? Ça va, tiens, ça fait hyper longtemps qu'on t'a pas vu! Non, non, là franchement c'est un peu du tout. Ça... Bah pourquoi? Bah regarde. Putain, sur le pied. De nous mater, tu veux quoi? Tu veux quoi? T'as un problème! T'as un problème! Mais c'est quoi ton problème? Quoi? Lâchez-le! Je suis fini! Sérieux, toi? Allez, ça te pédé, va! Ça te pédé, dégage! Cassez-vous! Ça va, toi? Ouais, bah ça va. C'est pour aller mieux, mais bon. Faut que tu viennes avec moi. Mais où? Pourquoi faire? Faut parler avec quelqu'un, maintenant! Ça sert à rien, ça sert à rien, ça va être encore pire, ça va jamais s'arrêter, c'est comme ça, c'est. Ouais, mais il faut que t'ailles parler à quelqu'un. C'est un moment, t'es pas censé vivre ça. Faut pas que tu le vives. C'est pas normal. J'ai qu'à pas être gay. Mais t'es normal, toi. Non, dis pas ça. Non. T'es juste pourri. Bon, aujourd'hui, je vous rends vos copies. C'est vraiment pas brillant. Hein. Tiens. Ouais, non, c'est pas top. Bon, Mathéo, je comprends pas, hein, c'est de pire en pire, là. Tiens, tu fais passer, s'il te plaît. C'est pas terrible, ça, aussi. Oh. Bah alors, le petit PD, il faut plus rien? Kevin, ça suffit. C'est bon, madame. Mathéo, tu viendras me voir à la fin de l'heure, s'il te plaît. Vous êtes deux, Chilien a trouvé un décalage. Malheureusement, la passe un peu longue à destination de Giovanni Gonzalez. Ah, t'es rentré, Mathéo. Ouais. Bonjour, ça va? Ben, c'est pour toi. Ouais. Et ta journée au lycée, ça s'est bien passé? Ouais. Ça va. J'ai passé un petit moment avec toi, là-haut. Ouais, bon. Un bisou, mon fils. Bah. Dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé là? C'est quoi ces marques? Non, c'est, je suis tombé en skate. Ouais, y a pas rien là. Il t'est arrivé quelque chose. Une barre? Non, j'écoute la télé là. Tu vois, je suis tombé en skate, y a rien à dire. Bah, je suis inquiète, moi, Mathéo, c'est pas normal. Montre-moi, tu as mal? Non, mais non, ça va, non, c'est bon. Bah, on mange quoi ce soir? J'ai faim. T'as besoin d'aide ou pas? Mathéo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais rien! Sur votre message, après le signal sonore. Oui, bonjour, je suis Madame Texera, la professeure principale de Mathéo. Je vous appelle parce que je suis vraiment très inquiète pour votre fils. Ses résultats sont en chute libre, il travaille plus du tout. Voilà, là je pense qu'il faut vraiment qu'on se rencontre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Au revoir.